Vous êtes avec Gab et Gog de l'équipe MG Poke. Et bien évidemment, bienvenue dans notre univers de rêve. Welcome. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir une petite pépitasse, comme on dit dans le milieu. Hein. Ouh. Bien sûr, si vous l'avez chez vous, moi je vous conseille vraiment de la garder hein, et de pas l'ouvrir parce que vraiment, je pense que dans plusieurs années, elle va prendre pas mal de valeur étant donné que c'est du salamèche. Alors, c'est un salamèche exactement. C'est une belle ETB et il y a une belle carte promotion dedans qu'on va vous montrer tout de suite d'ailleurs. Je vais ouvrir cette ETB en Livos. Oh, en Livos. En Livos, c'est du grec. Oh, en Vailos. Ah, Valesimos. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur WhatNot, Instagram, etc., n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur Instagram. On fait un petit peu de vente aux enchères pour ceux qui le souhaitent. Vous avez un code de parrainage de 15€ offert. Avec le lien directement sur Instagram dans notre link LinkedIn. Exactement. Bon, on s'ouvre directement les boosters. Hein. Alors, ce qu'on va faire, ouais, on a fait une première vidéo où on déballait complètement et on expliquait un peu le fonctionnement de l'ETB. Donc, n'hésitez pas à la regarder, bien évidemment. Bah oui, bien évidemment. Et n'hésitez pas à nous dire surtout dans les commentaires, vous, ce que vous avez packé dans cette petite. C'est ça qui est beau, c'est que c'est un peu tordu. Non. C'est exceptionnel. Mais c'est pas grave. Non, ça va. Ouais, c'est normal, après elle était... Petite promo salamèche, messieurs, dames, petite promo salamèche qui ne sera uniquement disponible dans cette TB. Ouais, oui, cette TB. Tiens, allez, j'en ai pris 5 pour la peine et je commence à ouvrir. C'est parti, je t'ai pas laissé choisir. Ok. On en est à ce stade, voilà. Ok, donc Flamme Obsidienne, on répète encore une fois, c'est la suite logique d'Écarlate et Violet. Donc Écarlate et Violet EV1, Évolution Paldea EV2. Flamme Obsidienne EV3, les 151 qui sortiront le 22 septembre EV3.5, il y a la EV4 qui va sortir aussi. Je pense que vous n'avez pas loupé la nouvelle des 151, hein. Il y en a vraiment partout. Et bien sûr, restez connectés sur MGPOC et sur MGPOC.com, Batrachné. Ouais. Reptincelle. MGPOC.com, d'ailleurs, c'est un site sur lequel vous pourrez trouver bien évidemment des cartes d'exception, notamment des cartes japonaises du Néo. Oh, ça commence! Non. Si, c'est NR. C'est NR, c'est en bibidou. Oh, Pokémon chien. Malos? Non. Malos. Chien renard. Première scène. Fenard. Fenard. C'est magnifique. C'est magnifique. Et voilà. Oh là là. On en parlait sur la vidéo. Oh, je la voulais. Vraiment, c'est une des plus belles que je trouve moi. Avec l'Ortide. On la voit gradée? Ouais. Avec l'Ortide, c'est la plus belle. On l'a en japonais, je crois, non? Non. Si, elle va partir gradée, bien sûr. Oh non, japonaise. Mais en française, au moins, voilà, c'est une des meilleures arrières que je puisse trouver. Hein, très belle carte. Ouais, allez, je suis très content là. D'ailleurs, on va faire un énorme live. Énorme, comme ça au moins. Sur WhatNot avec plus de 100 cartes gradées. Oh là là là, exceptionnel. Avec des cartes d'exception, messieurs dames. Mais qui n'est pas du tout sérieux. T'es ouf. Et n'hésitez pas, sur WhatsApp, vous avez 15€ de remise avec notre code de parrainage que vous trouvez sur Instagram ou normalement vous trouvez. C'est même pas 15€ de remise, c'est vraiment vous avez 15€ dans votre portefeuille que vous pouvez dépenser comme bon vous semble. Putain, mais c'est fou. Mais ça, c'est incroyable. Ça donne envie. C'est comme si t'allais dans un magasin, les mecs te disent vous avez 15€, monsieur, prenez ce que vous voulez. Oh là là, chamallow. On vous demande rien en échange. 2,75€ de livraison, c'est tout. Voilà. Voilà. Et 25 centimes par. Oh, il est mignon le Démolos. Ouais, exceptionnel. C'est très joli. Le petit mont glouton. C'est de la merde. Oh là, deuxième reverse. Ah ouais. Et derrière, une holo. La défaite. C'est la défaite pour Gabriel. Salarzen en holo. Bon, c'est pas folichon. C'est pas fameux quoi. C'est pas. Bon, j'avoue, ça aurait été mieux bien évidemment d'avoir. Putain, ça c'est dingue quand même qu'il soit plié comme ça. Mais après, c'est à force d'être dans le TB. Hein. C'est... Ouais, bah c'est pas grave, ça va partir. Voilà. Énergie. Scalpion. Ponchio. Cravaillard, Mélophée, Crapustule. Oui, Arbolvilta, je sais pas quoi, Arboliva, Sbire de la Team Star. Allez, j'aimerais bien un petit Noctali là. Un Noctali en reverse? Ouais. Oh, en morph, une ex. Oh là là. Ça tombe, hein. Po, Craparoi. Mais Gog, il a tous les hits, c'est fou, hein. Non, mais c'est fou comme elle est moche. Incroyable. Moi, je suis pas fan. Hein. Pour moi, c'est une imitation de Krabos. Voilà, je le dis. Ouais, c'est une copie. C'est une copie chinoise. Sauf que Krabos a beaucoup plus de charisme. C'est ça la différence. Ouais, lui, la carmone, il a une bouche carrée. Je sais pas si t'as vu. Ouais, c'est horrible. C'est un robot en fait. C'est de la merde. On n'a pas suivi l'émission. Il faut le dire quand c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Non, on dit pas de gros mots, on a dit. Okay. On va se faire bannir sinon. Ah, exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? On va ouvrir bien évidemment le troisième booster.
C'est ça? Et... Ouais. Énergie de base. Quatrième. Est-ce que vous connaissez ce Pokémon? Il est ouais, affreux. C'est affreux centre commercial. Terracool. Malos. Misdibule. Frison. Allez, allez. Un hit, pas un hit. Oh, ça, ça. Oh, non. Ah, attention, on se fait souvent avoir avec ces cartes holographiques. Hein. Ouais, le problème, c'est que c'est exactement. Non, mais c'est quoi? C'est Entei. Oh, il est mignon, Entei. Il est mal cadré, hein. C'est incroyable. Putain, ouais, franchement, j'ai le seum. Gab, il a rien, ça fait vraiment plaisir. 2-0 pour Gob. Oh là, c'est épais. Il est épais celui-ci. Arrête, arrête, il arrête. Il y a le Dracaufeu qui sort. Arrête. Est-ce que vous aimez notre nouveau décor du fond? Alors, regardez-moi ça. C'est exceptionnel. C'est magnifique, non? 4 mois d'attente pour ça. Bah oui, ça fait 4 mois qu'on n'a pas fait de vidéo. Allez, Scalproix, Magneton, c'est vrai en plus. Tritonde, Alpha Manoir, Reptincel, Minotop, Roucoups. Oh, petite reverse de Topico, petite reverse de Batrachne et une petite holo. Je parle même pas de temps avec ça, franchement. Vous voyez, normalement, on est censé être content quand on est un holographique dans un paquet, mais vu que là, ils en mettent dans tous les paquets, je trouve que ça a cassé le délire. Ouais. Et en plus, on peut plus voir, en fait, on est surpris parce que ça brille, en fait, tout le temps. Merde, pardon. Et de la falle américaine. Oh ah, ben, voilà, voilà, c'était le dernier hit. C'était le dernier hit, ah ouais. Ouais, t'es pas gourmande, celle-là. Hein. T'es pas généreuse. Pas une coquinou. C'est ton dernier? Non, il reste un. Apiren X. Voilà, c'est mignon, c'est voilà. Mignon. Ça casse pas, quête pas un canard. Ah bah y a rien. Ah bah c'est super. Moi je perds plus de temps, je suis un américain maintenant, voilà. Je vous le dis, y a rien du tout. C'est vrai que c'est une vidéo un peu courte là, hein, qu'on va faire, hein, mon avis. Oui, mais ça va faire une petite vidéo de 10 minutes, ça suffit amplement. Les gens maintenant ils veulent que ça aille vite, ils veulent du concret. Vous voulez du concret, vous voulez que les gens ont marre du blabla, là ils veulent de l'action. Ils veulent voir nos têtes surpris, ils veulent qu'on gueule. Et on va gueuler tout de suite, parce que là c'est un gros hit. Tu penses? Ouais. Non. Si. Oh là là. Énergie de base. Insupportable. Allez, au moins un Octalie. Topiqueur. Brindibou. Balbuto. Scalpereur. Fragroin. Lettre d'encouragement. Premier reverse. Le Tarinorme. Insupportable. Avec sa moustache. Oh là là. Le haut massacre. Insupportable. Énorme. Oh là là. Et on rentre bredouille. J'ai vraiment rien eu, moi, en fait. Si j'ai eu. C'est ton dernier, là? Hein? Oh merde. Bah en fait voilà, ça confirme la théorie des 3 hits dans l'ETB quoi. Hein. Mais la vidéo précédente, on a vu quelque chose quand même. Hein. Bah on a vu 3 hits. 3 hits. On avait eu une ex, une AR non? Deux enfin, AR. Je suis vraiment déçu, hein. Vraiment très très déçu. Toxizer. Hein. La caméra est vachement grande. Charbambin, Scalpion, Protion, Draco, Ortiga. Premier reverse de Mustiboué. Deuxième reverse de rien du tout. Il voilà. Y a rien. Voilà, ça pue sa mère, ça pue sa grand-mère. Voilà, on a eu ça, et on a eu quoi d'autre? Le Fenin. Voilà, donc deuxième ETB, c'est 3 hits, première ETB, on a quand même eu, j'ai l'impression, un meilleur tirage. Hein. Ouais, on a Alex, je ne sais plus elle était où, mais voilà. D'ailleurs, bien plié hein, quand même, je trouve ça scandaleux. Là, il devrait rembourser quand c'est dans ce genre de cas. Hein. Non, mais là, c'est carrément du foutage de quoi, en fait? Encore, ça avait été une misprint. Bon, les misprints, c'est assez recherché. Hein. Non, mais là, elle est pliée, carrément. Là, c'est de la pliure. Mais vraiment une pliure merguez. Il faut même pas toucher, en fait. Rien faire. Ça va partir aux encombrants, quoi. Insupportable. Bon, bah voilà, c'était une vidéo courte. N'hésitez pas à consulter notre site mgpoke.com. Hein. Il y aura dans la description, il y aura le lien directement. Ouais. Voilà, donc un site où on propose des cartes japonaises surtout, hein, notamment, on est sur au moins 90-95% de japonais, j'imagine. Oui. À peu près. Notamment avec énormément de wizards holographiques. Beaucoup de wizards, donc si vraiment, vous aussi, vous vous rappelez de vos souvenirs d'enfance, avec ouais. Des belles cartes que vous aviez, et que vous aimeriez obtenir ce genre de cartes de nouveau, car vous avez un pouvoir d'achat qui n'est pas le même qu'à l'époque. Ouais. Évidemment, et surtout le japonais qui est beaucoup plus avantageux financièrement pour vous. Et dans des états beaucoup plus abordables. Mais évidemment, une holographique. Là, je vais vous faire voir rapidement hein, pour que vous ayez une petite information. On fait notre petite pub, voilà. On est aussi sur ça. Enfin, si on peut vous régaler en même temps, on va vous montrer un exemple parce qu'on en a beaucoup, beaucoup en stock. Hein. Évidemment, si vous avez des demandes particulières, vous pouvez nous contacter sur Instagram mg-du-book. Un petit trio picker, par exemple. Exceptionnel.
Rocket avec un magnifique Spiroli. Là, on est entre 10 et 12 euros, je crois. Voilà, pour une carte qui est en... Vous pouvez montrer l'arrière, mais qui est en très bon état, hein, normalement. Oui, là, c'est du rembé, hein, là. Vous pouvez y aller. Hein. Regardez. C'est assez propre. Hein. Voilà. Pardon, peut-être pas celui-là, peut-être celui-là. Ouais, bon, bref. Après, vous avez le magnifique Léviator. Voilà, il y en a une tonne, hein. Il y en a une tonne, hein. Avec un magnifique Swirl. Là, pareil, hein, on est sur une carte une quinzaine d'euros, hein, donc c'est très, très propre. Hein. Voilà, voilà. Salut la compagnie, salut Shimon 13, comment ça va? Salut Shimon. Comment on va? Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est bien, Shimon 13, comment ça va? Comment la forme? La formasse? C'est marrant parce que, en fait, on sait même pas comment ça fonctionne Twitch. Est-ce qu'il y a du ça. Monde? Bah, c'est ça. D'accord, mais comment on sait qu'il y a du monde? Utilisateur dans le chat? Je sais pas. Je sais pas, mon frérot. On est des débutants. Voilà. Ouais, exactement. Donc, on commence. Pour ceux qui étaient pas là au début, on va nous voir. Ah, je suis seul. Ah, bah, d'accord. Oui, parce qu'en fait, on commence. On sait pas comment ça fonctionne. Pas du tout comment ça fonctionne. On est un peu à l'ancienne. Hein. Nous, on est plus Facebook, Dailymotion, ça, le truc à l'époque. Exactement. Et là, du coup, on vient d'ouvrir deux ETB Flame Obsidian. Et on est en train de dire que sur notre site, on proposait des cartes Néo à des prix très abordables en holographique, dans des très bons états. Pour des tarifs défendant toute concurrence, hein, du coup. Mais voilà, c'était parce que nous, on est plutôt, c'est plutôt notre génération, ça, le Rocket, le set de base, le Néo Destiny, Néo Révélation, Néo Discovery, etc. Et donc, du coup, bah, on a décidé d'importer ce type de produit-là et en fait de proposer simplement un magnifique Ronflex, Ronflex jungle. Exactement. Jungle. Donc, pour rappel, bon, bah voilà, ça va, c'est donc le site mgpoke.com, tout simplement. Voilà. Oui, tout simplement, il n'y a pas plus simple. Voilà. N'hésitez pas à passer, même on est sur Instagram, sur Whatnot, enfin on est un peu partout. Hein. Et d'ailleurs, on n'a pas mis encore ces magnifiques vending, Mewtwo vending. Ça, moi, c'est plus ma génération. Bah oui, magnifique vending. Alors ça, tu vois, c'est une série que je connaissais pas avant, mais c'est une série qui est sortie avant le set de base. Exactement. C'est la première série Pokémon. Ça se voit au graphisme. Hein. On a un peu, voilà, du fait main, hein, j'ai envie de dire. Exactement. Un peu loufoque, un peu caricatural, quoi. Regardez-moi ce magnifique Carapuce, magnifique Bulbizarre, magnifique Rattata. Le petit Raikou, c'est exceptionnel. Le petit Aeromite, le petit Porygon, le petit Tignon. Regardez-moi le Tignon, tu sais. Il est en train de taper un haricot, tu sais. Mais incroyable. Un sac de frein. Un petit Smogo, un petit Voltorb. Voilà, c'est vraiment... Le Magneton, le Goupix, le Fantominus, le Ponyta. Et ça, c'est des produits très recherchés. C'est très dur à trouver en très bon état, hein, vraiment. Le Gravalanche, ouais. Le Sablero. Ouais, le Liputou, le Tauros. Oh, regarde ça, on dirait que ça a été grillé par un enfant. Bah, attendez, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ça, c'est la génération sortie avant le set de base. Donc, alors, on dirait que ça a été fait à la pastel. Mais oui, le petit Chenipan, ouais, le petit Nosferapti, le petit Chrysacier, le petit Onyx. Exceptionnel. Le petit Ponyta, le Ronflex. Le Ronflex, attention, c'est compliqué à trouver. Hein. Ah ouais, bien sûr. Le petit Evoli, le petit Articodin. Articodin, c'est un banger aussi. Imagine, il l'avait fait en holo. Oh, ça aurait été dingue. Mais là, ça serait parti en mais il n'y avait pas des holos à cette époque, je crois. Ouais. Ah si, il y avait le Alakazam. Ouais. Qu'on va recevoir d'ailleurs très prochainement. Sharon, merci d'être passé, mon frérot, ma frérat, je sais pas. Shimon. Ouais, en tout cas, c'est très gentil. C'était notre premier test sur Twitch, donc il y aura d'autres, bien évidemment, d'autres. Voilà, des petites ouvertures perso, des petits trucs comme ça, quoi. Ouais, sinon, tu peux nous retrouver sur. Je pense que cette personne nous suit sur Instagram, j'imagine. Oui, je pense aussi. Voilà, voilà. La bise. Merci, c'est très gentil. On se retrouve la prochaine fois avec. Hey Gab, ça rend bien. C'est là la caméra, c'est ouais, vrai. Merci beaucoup. On te fait la bise en tout cas et puis on fait le bisou à tout le monde. Allez, bisous sur les réseaux. Ciao. Allez, gros bisous, bye bye.